J'en viens à croire que votre chef des anciens n'aime guère les visites. Guerre ? Pas du tout, même. On peut dire qu'il les déteste cordialement. Mais vous avez de la veine. Pourquoi ça ? Parce qu'on vous laisse entrer, pardi. V'là des années que Mahakam est totalement coupé du monde extérieur. Les clans ont fini par convaincre Brouwer qu'il fallait au moins laisser entrer marchands et émissaires. Mais ça n'a pas été sans peine. Des escadrons noirs. Le moral est bon, pas de soucis, mais c'est ces bottes, elles me tuent. Un temps pour semer, un pour moissonner et un pour mourir. Oh, je tuerais pour une chope. Devons nous serrer les coudes.
J'ai déjà fait moult dans le blanc de l'œil à une demi-lieue. Arbalétrier, à vos ordres. Avance, s'agit pas de mollir. Dire qu'il s'encombre d'une armure. Quand apprendras-tu enfin ? Semer, un pour moissonner et un pour mourir. Ouais. Ah, pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Arbalétrier, à vos ordres.
jamais vivante. Ça va pas, la tête? On ne se coupe pas! N'ayez crainte, nous atteindrons notre objectif. Cette saison, on moissonne des escadrons noirs. Sa Majesté sait ce qu'elle fait. Le moral est bon, pas de soucis, mais c'est ses bottes, elle me tue. De pas le regretter. La ferme. J'espérais une solution pacifique. Tant pis. Risque de piquer.
Silence, va. Oh. Duval 6. Les épées de Reeves sont loin. Leur chef des anciens. Leur chef des.
Maeve remarqua un attroupement de nains. Ils étaient plusieurs dizaines, beaucoup tenant des paniers remplis de saucisses séchées, de bretzels moelleux et de pichets de bière mousseuse. Pourquoi ce rassemblement ? Demanda-t-elle à Gabor. Ces gens, ce sont les parents de jeunes qui doivent rentrer aujourd'hui de leur Drektag. Gabor lui expliqua que le Drektag était un voyage que les nains du cru entreprenaient en atteignant la majorité. Durant ce voyage d'un an, les jeunes découvraient la vie loin de chez eux. Cependant, s'ils ne revenaient pas à temps, ils perdaient tous les droits et les privilèges accordés aux natifs de Mahaka. Vous voyez, ces dernières années, la colère gronde chez les jeunes à cause des lois strictes en vigueur ici. Ajouta Gabor. Alors on les envoie expérimenter la vie dans les plaines. Une fois qu'ils ont vu par eux-mêmes à quoi ressemble la vie parmi les humains, ils reviennent et évitent de se plaindre. En général, seuls quelques nains choisissaient de s'établir de manière définitive dans les vallées. Cependant, cette année, la situation semblait différente. L'échéance, c'est demain. Et 40 Drektagers sont toujours pas revenus. Leurs parents craignaient à présent qu'il leur soit arrivé malheur. Les gardes de Mahakam avaient envoyé des patrouilles vers les vallées proches. Elles étaient revenues sans avoir rien vu d'inquiétant. Mais il faut préciser que les humains vivant au pied du massif n'avaient pas non plus été très loquaces. Le capitaine de la garde, un nain à la barbe rousse, retira son casque, essuya la sueur sur son front et s'adressa à Maeve. Votre Majesté, il faut qu'on retrouve nos jeunes. Vous n'accepteriez pas de partir à leur recherche ? Les humains seront plus disposés à vous dire s'ils ont vu quelque chose sortant de l'ordinaire ces derniers temps. Évidemment, vous ne ferez pas ça pour rien. On peut dire que moi aussi j'ai perdu un fils. Maeve serra fermement la main du capitaine. Je ne sais que trop bien la peine que l'on ressent. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous épargner au moins ça. Maeve s'éloigna sous le regard plein d'espoir des parents nains, lui disant au revoir. La reine envoya un éclaireur en reconnaissance. Un peu plus tard, elle entendit son corps sonner trois fois. Deux coups courts, un coup long. Une embuscade ! Maeve s'attendait à affronter des bêtes ou des brigands. Mais les guerriers qui se jetèrent sur ses troupes avaient une queue d'écureuil accrochée à leur casque. D'escoyatelle. On doit les empêcher de fuir. Lady Van Volt. Il y a un temps pour semer, un pour moissonner et un pour mourir. J'ai une furieuse envie de jouer au Gwent. Les Scoia'tael sont un fléau. Ils corrompent tout ce qu'ils touchent. Ouais. Hey ho! Nous apportera la victoire.
quoi j'ai pas écouté ma bourgeoise. Personne ne nous opprimera! Montez la bête! On doit s'entraider. Ces plaies-là, non, je ne ressens aucune douleur. De piquer. Toi, l'ami, sûr. Compagnie, en avant, marche. Avance, s'agit pas de mollir. Un seul carreau me suffira. Tout va bien ? À présent, voyons qui est faible. L'armée, c'est une perte de temps pour un type comme moi. Je n'échouerai pas. Gauche, droite, gauche, droite. Y a quelqu'un qui resterait une lampée de gnôle ? Même pas la peine que j'use ma salive. Le moral est bon, pas de soucis, mais c'est ses bottes, elles me tuent. Ah ! C'est rien de foutre.
jette-t-elle à l'attaque ? Ils sont si jeunes. Rien n'étonnera à ce qu'ils soient si aisément fanatisés. Aussitôt le combat terminé, les prisonniers furent conduits devant la reine. Tous, sans exception, étaient des nains. Et tous semblaient jeunes. Mystère résolu. Marmonna Maeve. Il s'agissait en fait des Drektagers disparus. Au lieu de rentrer chez eux, ils s'étaient enrôlés dans la guérilla afin de défendre les droits des non-humains. Mais qu'est-ce qui les avait poussés à prendre une décision aussi radicale ? J'étais impatient. Je voulais terriblement avoir 50 ans. J'avais hâte de voir les cités humaines. Vizima, Tretogor, Novigrad. Dit un des prisonniers nains en pressant un bandage sur une plaie sanguinolente. Vous savez comment on m'y a accueilli ? On m'a craché dessus, traité de tous les noms. J'ai vu les ghettos, les massacres. Comment j'aurais pu retourner dans les mines après ça ? On doit se battre tant qu'on peut, avant que les humains viennent nous tailler en pièces. On doit le dire à tous les nôtres. Convaincre tout Mahakam de rejoindre le combat. Ces soldats attendaient que Maeve proteste, qu'elle accuse les nains de mentir. Cependant, la reine ne pouvait feindre de ne pas comprendre pourquoi les nains avaient pris les armes. Sans engager de débat, elle ordonna qu'on emmène les prisonniers pour qu'ils soient jugés par les leurs et leurs anciens. En chemin, Maeve entendit des cris et se précipita pour connaître la raison de ce raffut. En voyant Rhaella la Noire couverte de sang, elle s'attendit au pire. Reynard ne put que confirmer les craintes de la reine. Elle est entrée en douce dans le chariot, celui transportant les prisonniers. Elle leur a coupé la gorge, l'un après l'autre. 40 nains ? À elle seule ? Ils étaient enchaînés. Ils ne pouvaient pas se défendre. Rhaella n'avait rien à dire pour sa défense. En fait, elle respirait la fierté. Il n'y avait pas de Scoia'tael à Mahakam, jusqu'à maintenant. Nous n'aurions rendu service à personne, en ramenant un chariot rempli de jeunes enragés portant une queue d'écureuil. Ils se seraient présentés comme les martyrs d'une cause juste. Ils auraient montré leurs cicatrices et persuadé leur clan d'entrer en guerre contre les humains. Il fallait tuer le mal dans l'œuf. Maeve pouvait voir la colère bouillir en Reynard. Quand il ouvrit enfin la bouche, il tentait manifestement de dominer ses émotions, mais avait toutes les peines à ne pas exploser. Majesté, nous devons la bannir, la chasser. Ce n'était pas un simple acte d'insubordination, c'était un crime grave. Majesté, vous savez que je me mêle rarement de vos affaires. Dit Isbel. Mais je ne peux pas me taire cette fois. Cette femme ne peut pas rester. Je n'accepte pas plus que je ne tolère ce qu'a fait Rhaella. Cependant, nous livrons une guerre et elle fait partie des meilleurs guerriers sous mon commandement. Répondit la reine. Naturellement, elle sera châtiée. Mais je ne la bannirai pas. Reynard ouvrit la bouche pour parler. Mais en voyant le sourire méprisant de Rhaella, il tourna les talons et partit sans mot dire. On l'aperçut plus tard aux messes, buvant seul en fixant le fond de sa chope. Les Lyriens rentrèrent en silence. En voyant leurs regards baissés et leurs mines sombres, les nains, attendant le retour de leur progéniture, se dispersèrent pour rentrer chez eux en abandonnant leur panier rempli de victuailles dans la neige. Personne ne posa de questions à Maeve. Ce fut une chance, car la reine n'aurait su que répondre. Majesté, je viens vous annoncer que je quitte votre armée. Pourquoi ça ? Un peu malgré moi, je vous ai rejointe pour soigner vos blessés. Je me rends compte à présent que c'était une erreur. Que voulez-vous dire ? Ce que vous avez fait il y a peu va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Je sais que vous aviez vos raisons, mais je ne compte pas découvrir lesquelles. Que puis-je faire pour que vous restiez ? Rien, Majesté. Adieu. Très bien. Bonne chance et adieu, Isbel. Vous avez rien trouvé ? Pas même une trace ?
La reine remarqua un bâtiment à l'ornementation somptueuse inhabituelle, comprenant un toit en tuiles de bronze étincelant et des fenêtres en cristal de roche luisante. Un clan important habitait là, lui expliqua Gabor. Les Breckenridge. Pourriez-vous me présenter ? Demanda Maeve. Je pourrais peut-être les convaincre d'intercéder en ma faveur auprès de Brouwer. Le chef du clan, Ivor, invita Maeve à un délicieux festin. Mais lorsqu'elle aborda le sujet de la guerre faisant rage aux frontières de Mahakam, le nain changea aussitôt de sujet. En examinant l'intérieur de la bâtisse, Maeve comprit rapidement pourquoi. Les murs étaient décorés de tapisseries et de tentures nilfgaardiennes, certainement offertes par des émissaires de l'Empire. Maeve s'apprêtait à partir, convaincue d'avoir perdu son temps, quand quelqu'un la saisit par l'épaule et l'entraîna dans une pièce obscure. Son ravisseur s'avéra être une jeune naine, vêtue d'une chemise de nuit. Elle se présenta comme la fille d'Ivor, Eudora Breckenridge, et admit ouvertement avoir espionné la conversation de Maeve durant le dîner. Écoutez, mon père est plus têtu qu'une vieille chèvre, mais je le convaincrai de vous aider en échange d'un petit service, bien sûr. Lequel ? Je veux que vous veuilliez un truc dans les archives du clan. L'Historiae Macamorum. Mon père refuse que je me fiance avec mon ange adoré, Zoltan. Il dit que le codex interdit d'épouser un nain qui a quitté les montagnes. Mais il y a un précédent, un cas décrit dans ce document. Si je le montre à mon père, il devra bien changer d'avis. Maeve éprouva de la compassion pour Eudora et eut envie de l'aider. Surtout en pensant au service que la jeune fille pourrait lui rendre en retour. Cependant, elle réalisait parfaitement que si sa tentative d'effraction dans les archives tournait mal, cela provoquerait un terrible scandale que Brouwer Oog n'oublierait pas de sitôt. Le jeu en vaut la chandelle, je pense. Très bien, j'accepte ta proposition. Elles se serrèrent alors la main pour conclure le marché. Maeve dut crisper les mâchoires pour ne pas crier, car la jeune naine avait une poigne de forgeron. La reine rejoignit sa compagnie et exposa la proposition de Dora en massant sa main endolorie. Gascon se porta immédiatement volontaire pour cette tâche. Le vol, c'est mon point fort. Les nains n'y verront que du feu. Gascon s'introduisit dans les archives à la faveur de la nuit. Alors qu'il glissait le document convoité par Eudora sous sa cape, il entendit des bruits de pottes dans l'escalier. Un nain descendait. Bon sang, jura Gascon. Il ne faut pas que je me fasse prendre. Qui va là ? Quel imbécile ! C'était moi une. Ah !
du gâteau. Gascon parvint à accomplir le cambriolage sans bruit. Et les nains ne découvrirent jamais l'auteur de l'effraction. Comme convenu, Maeve remit le document volé à Eudora. S'écria la naine en soulevant le parchemin d'un geste triomphant. Papa pourra plus s'opposer à nos fiançailles à présent. Faut vite que j'écrive à Zoltan. Merci, merci mille fois. Eudora tint aussi sa part du marché. Peu après, la reine apprit que les clans s'étaient réunis et Ivor s'était bel et bien prononcé en sa faveur. Elle ne pouvait qu'espérer que l'ancien Breckenridge avait aussi persuadé Brouwerhoog. Eudora, rien de tel que la... Vous avez pas... Pourquoi vous avez pas froid sans barbe? Bourgonan, t'avais dit de bien tenir les chevaux pour pas renverser le chargement. De l'expert, Aster. C'est toi qui as chargé ce maudit chariot à la gueule. Dites le bus. Un chariot renversé gisait au beau milieu de la route. D'autres attendaient derrière. Certains chargés d'or, de joyaux et de marchandises précieuses diverses, d'autres croulant presque sous le poids des barils de viande vinaigrée. Les deux nains avaient chacun sa théorie sur l'origine de l'accident et le faisaient bruyamment savoir. Drôle de caravane, dit Maeve. Ils n'ont pas l'air de marchands. Sûr que non, répondit Gabor. C'est des nains du clan Ferengg qui charrient des offrandes aux dragons. Quel Tulis, vous vous rappelez? Quand il s'est installé par ici, les Ferengg l'ont combattu presque un siècle durant. Puis le dragon s'est lassé de combattre, et eux comprirent qu'il n'arriverait à rien. Alors ils ont conclu un marché. Offrande contre tranquillité. Tiens, tiens. Ces offrandes se font souvent? Toutes les semaines. Excusez, faut que j'aille séparer ces gars-là avant qu'ils s'arrachent la barbe. Hé, hey, vous deux, on se calme! Gabor parvint à calmer les ardeurs de ses congénères. Mais le chariot accidenté bloquait toujours la route. Ma reine, dit Xavier, c'est facile à réparer. J'ai les outils, les pièces. Il ne manque plus que votre permission. Accordez. Voyez ce que vous pouvez faire. Xavier n'avait pas surestimé ses capacités. Peu de temps après, le chariot comme neuf roulait sans heurts. Sauf votre respect, Majesté, dit l'un des nains. Votre ingénieur a une sale trogne, mais pour sûr, il connaît son affaire. Je lui transmettrai vos propos. Une partie de vos propos, à tout le moins. On va reprendre la route, moi et mes gars. Mais avant ça, tenez, un peu d'or. Façon de vous remercier, quoi. J'apprécie votre générosité, mais l'honneur m'interdit d'accepter paiement pour avoir aidé un voyageur dans le besoin. Ah, l'honneur, ça court pas les routes ces temps-ci. Enfin, comme vous voudrez. Bon vent à vous. Le nain prit congé en s'inclinant bien bas, secoua sa barbe enneigée et s'en alla rejoindre la caravane. Quelques instants plus tard, le convoi disparut au détour d'un virage.